Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le 30 avril 2011. Nous allons filmer le plus beau puits qui se trouve dans ce, du département du Lot avec mon équipe de spéléologues du Quercy. Que des bons. Voilà, l'actrice principale ça sera Chloé et tous les autres des petites mains pour éclairer. Alors, c'est un puits artificiel tout creusé à la main d'ombre dans les années 90. C'est par là que Nelson Mandela a été libéré. Il a été terminé le 18 février 1990. Il a attendu que ce puits soit fini pour qu'on puisse être libéré. Alors on te surveille, Zizou. Hein. Ça va rester dans l'anthologie. Tu n'as pas de photo de ton descendeur à l'envers. Hein. On regarde. Ça va faire le tour du monde, Zizou. Hein. D'accord. Magnifique. À tout à l'heure, Daniel. A Liga da Justiça está toda dominada. Vamos ter que chamar o Léo Santana mesmo para salvar a Mulher Maravilha. Superman ficou fraco, o Pipi jogou Kryptonite, Lex Luthor e Corinne, roubou nossa Mulher Maravilha. Superman ficou fraco, o Pipi jogou Kryptonite, Lex Luthor e Coringa. E aí galera, a Liga da Justiça toda dominada, agora só tem uma saída. Pode Mulher Maravilha, com Superman. Donc là, Chloé appelle le passage entre la partie creusée et la partie naturelle. Voilà. Bienvenue au sommet du puits d'Aléouz, le cadre de 75 mètres. Voilà. De temps en temps, tu as une risette au caméraman. On te voit. On a une pyrolette. Ça trempe parce qu'on voit le fond, en fait, c'est plus concentré. Vem!
chulapa. Quem é tu, Zé Boiolão? Tu vai ou não? Quer beber? Quero não. A galera vai responder, a galera vai responder. Nada, a galera vai responder, quero ver. Ei, tu quer beber? Não quer por quê? Tu quer fumar? Não quer por quê? Vem! Eu vou, não quero não, posso não. C'est dommage. Hein. On en aurait supporté 100 mètres de plus. La perte de l'Aléoun est finalement désobstruée le 11 septembre 1984. L'Ébouli, intermédiaire, est franchi en janvier 1987. L'escalade des 75 mètres de cette cheminée sera réalisée en juillet 1988. Ensuite vient le repérage balise où l'émetteur est placé au sommet de cette cheminée. Le creusement manuel des 25 mètres du puits artificiel est terminé le 18 février 1990, jour où Nelson Mandela a été libéré, donc l'ensemble s'appellera désormais le puits Mandela.